Bonjour les Gémeaux, donc c'est pour vous le tirage de cartes spécial célibataire pour l'amour. Je vous ai mis ici, voilà, c'est pour vous pour l'année 2019. On va regarder après le message de l'ange, les cartes de l'amour à la fin de ce tirage de cartes. Et nous allons regarder de suite ce qui va se passer pour vous. Donc vos atouts en ce moment, ce sont le bon sens. Vous avez une conscience, vous avez quelque chose, vous savez votre situation, vous la connaissez par rapport au célibat, vous cherchez la sortie hein, par rapport à ça. Vous avez un sens de la logique qui fait que vous calculez beaucoup hein, quand même aussi. Hein. Donc, comment faire? Donc, on va regarder les obstacles hein, et ce sera la libération. Donc peut-être un peu trop libre même, je dirais l'obstacle, c'est être un peu trop libre. En cherchant vos atouts qui sont le bon sens, la bonne conscience, à être un petit peu éparpillé, hein, à voyager, peut-être que vous voyagez beaucoup, vous les célibataires gémeaux, vous avez du mal, vous êtes un petit peu trop libre, à la limite, vous n'avez pas assez de limites. Hein. Pour vous limiter un petit peu et votre champ de vision par rapport à l'être aimé, par rapport à votre recherche. Donc nous allons regarder les moyens et c'est l'affrontement. Donc il y a quelque chose par rapport au jugement qui vous blesse encore. Hein. Vous avez peur des autres, hein. Vous avez une peur terrible de ce miroir que pourrait refléter un être aimé par exemple. Hein. Peut-être que vous avez eu dans le passé affaire à un couple qui n'arrivait pas à fonctionner par rapport à des disputes, des conflits. Vous avez du mal hein, avec le couple, on va dire. Vous avez du mal à vous retrouver vous-même. Hein. C'est un petit peu. En fait, c'est tout le temps l'affrontement. C'est ce qui vous dérange. Ça évolue pas. Donc, vous aimeriez une autre relation, une relation beaucoup plus paisible. Vous rêveriez de ça, les Gémeaux. Donc, on va regarder le résultat et nous avons l'interdit. Donc le résultat ce sera que vous vous interdisez vraiment d'aller vers une relation comme ça où il y aura des conflits. Donc c'est pour ça que vous vous mettez cette limite, mais par contre vous êtes beaucoup plus libre par rapport à des rencontres amoureuses mais légères on va dire. Et vous avez tellement peur de vous confronter à des personnes avec qui vous n'allez pas vous entendre que vous vous interdisez une belle relation sérieuse. Donc on va regarder la suite, l'avenir. Et nous avons la pleine conscience, Gémeaux célibataires. La pleine conscience par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, pour le bon sens, par rapport à vos atouts. Pour plus tard dans l'avenir, vous aurez la pleine conscience. Vous arriverez à dépasser cet interdit et l'affrontement. Enfin, les conflits que vous ne voulez pas avec l'être aimé. Vous voulez un couple serein et en paix, en fait. Vous rêvez de ça. C'est cette pleine conscience qui vous fait rêver, d'ailleurs. C'est léger, hein. C'est ce que vous aimez, la douceur, la tendresse. C'est ce que vous avez envie. Donc, on va regarder les cartes de l'amour. Qu'est-ce que disent les cartes de l'amour pour vous? Et nous allons voir que nous avons, quelqu'un de mélancolique, on va dire. Il y a la lumière hein, qui va revenir, hein, mais vous avez une mélancolie sur vous. Hein. Peut-être par rapport à ce trop-plein, par rapport à vos réflexions. Vous êtes tout le temps dans le mental, en fait. Hein. Donc, il faudrait sortir un petit peu de ça et aller vers la lumière, et vers des personnes et la lumière. Donc, on va regarder la deuxième carte qui est... Oui, il y a une personne qui va venir vous voir, en tout cas, si vous êtes une femme, il y a un homme qui va venir vous voir, qui va venir vous faire la cour, et si c'est un homme, eh bien c'est le contraire, c'est une femme qui va venir vers vous, vous convoiter, vous draguer, en tout cas, pour aller vers une relation amoureuse, vous libérer un petit peu de ce jugement que vous avez par peur d'avoir des conflits avec la personne. En tout cas, on va venir vous chercher, ça c'est sûr. Donc sortir de la torpeur, on va dire. Il y a quelqu'un qui va venir vous chercher et vous sortir de la torpeur. Donc, nous allons regarder le message de l'ange qui nous dit « Bienveillance, sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. »
Alors je répète parce que j'ai mal dit. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va venir. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et c'est peut-être cette personne qui est en train de penser à vous, tout simplement. Alors si c'est une femme, hein, elle peut regarder cette carte dans ce sens-là. Et puis nous allons regarder la prière pour 2019 pour vous, les Gémeaux. Quelle prière vous pourriez avoir à faire pour 2019 pour vous? Qu'est-ce que c'est que vous pourriez envisager de faire comme prière? Nous avons une carte qui a sauté, même deux, donc je prends celle-ci, la douceur. Et nous avons ce message, une prière pour 2019 pour vous. Vous faites arrêt sur image et vous pourrez éventuellement la garder pour vous. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie. Que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et les autres. Que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur. C'est ce que vous rêvez de toute façon de douceur. Qu'elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes, que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Vous voyez le regard de cet homme, de ce jeune homme, il a de la douceur dans les yeux. Il y a un regard qui reflète la douceur ici, de ce côté. Donc voilà, c'est pour vous, c'est la douceur. J'espère que cela vous parlera et je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon courage à vous les Gémeaux.